Bonjour les élèves, comment allez-vous? Vous allez bien? Aujourd'hui, notre leçon est le sujet du verbe. Le sujet est celui qui fait l'action, c'est-à-dire c'est celui qui fait le verbe. Il vient avant le verbe dans la phrase. Pour trouver le sujet dans la phrase, il suffit de poser la question qui avec le verbe. Je donne des exemples. Sarah écrit son devoir. Je pose ici la question qui avec le verbe pour trouver la réponse. Qui écrit son devoir? La réponse va être Sarah. Sarah donc est le sujet du verbe écrit. On passe à un autre exemple. La vache broute l'herbe. Qui broute l'herbe? La réponse à ma question qui va être la vache. La vache est la réponse, donc la vache est le sujet du verbe broute. Un autre exemple, il regarde un film. Qui regarde un film? Donc, la réponse c'est il. Il est le sujet du verbe regarde. Le sujet du verbe peut être un nom propre. Exemple, Rami écoute une chanson. Qui écoute une chanson, c'est Rami. Rami donc est le sujet qui est un nom propre. Un groupe nominal aussi. Exemple, les grandes pyramides existent encore. Donc le sujet du verbe ici est les grandes pyramides. Il est formé d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom commun, les grandes pyramides. Le sujet peut être aussi un pronom personnel comme nous jouons dans le jardin. Nous, c'est le sujet du verbe jouons, donc il est un pronom personnel. Concernant le verbe, il change lorsque le sujet change, c'est-à-dire la terminaison change en fonction du sujet. Exemple, je donne un exemple d'un verbe du premier groupe. C'est le verbe travailler. Tu travailles en silence. Travail, dans cette phrase, prend la terminaison es parce que ce verbe est conjugué avec le pronom personnel tu. Le deuxième exemple, Alain travaille en silence. La terminaison du verbe ici, c'est e. Parce que le verbe est conjugué avec le nom propre Alain qui est comme le pronom personnel il. Le dernier exemple, c'est nous travaillons en silence. Travaillons se termine par ONS parce que ce verbe est conjugué avec le pronom personnel nous. Je donne d'autres exemples avec le verbe réfléchir qui est un verbe du deuxième groupe. Je réfléchis correctement. Réfléchir se termine par IS. C'est la terminaison du verbe du deuxième groupe conjugué avec le pronom personnel je. Nada réfléchit correctement. Réfléchir se termine par IT parce que nada est un nom propre qui peut être remplacé par elle sans S. Les élèves réfléchissent correctement. Vous remarquez la terminaison I2S, ENT, parce que le sujet les élèves peut être remplacé par il avec S. Vous trouverez votre devoir dans le cahier d'activité 2, page 10. Enfin, merci pour votre attention. À bientôt.